quand nos armes se sont entrechoquées. Aïe. Ouais. Le bon vieux temps. Mmh. Oh, nous passions toujours par ce temple pour voyager. On discutait avec Brock, puis on repartait à l'aventure. Ça te manque? Oui. À l'époque, tout semblait plus simple. C'est vrai. Merci. De passage entre les royaumes. Elle a connu des jours meilleurs. Comme nous tous. Kratos, te souviens-tu quand je vous ai mené ici pour la première fois, Atreus et toi? Cela me paraît si lointain. Je me souviens. C'est grâce à ton aide que nous avons pu exaucer le dernier vœu de Faye. Et à la tienne, Mimir. Thank you.
n'arrivera rien, tu sais. Je n'en sais rien. Il fait ce qu'il a à faire. Il est en danger. Ah, parce qu'avec toi, il était en sécurité, peut-être. Il a jamais failli mourir? Même pas une fois? Je ne viens pas pour me faire sermonner. Je sais. C'est en bonus. Nouveau programme de fidélité. Ce sujet est maintenant clos. Maintenant, passons à la déesse. Les As vont détaler vite fait. Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière des bois? Qu'est-ce qu'il te faut? Ce doit être le casque de la statue de Tyr. Gagne les cœurs par la guerre.
Tyr avait compris que le plus grand des combats visait à conquérir les cœurs et les esprits. Dommage que Tyr ne souhaite faire ni l'un ni l'autre actuellement. De maraudeurs de pôle. Kratos, nous devrions nous occuper d'eux. Ce qui ne peut plus leur faire de mal.
Les horreurs du passé restent parfois ancrées dans le présent. Tu es bien placé pour le savoir. Jolie dague. Dommage qu'elle soit rouillée.
J'en ai assez de ton manque d'empathie pour tes propres bêtes. C'est Deimos, n'est-ce pas, mon frère? J'ai eu tort de te parler de Deimos. Tu te retrouves dans ces louves, dans leur peur. Ne restons pas là. Un repérage, le lac grouille de maraudeurs. Sois prudent. Mmh.
Ces Nornes ne vont sûrement pas se révéler d'elles-mêmes. On retourne au traîneau ? Ah!
Regarde, il y a des débris de ce côté. Des restes de la statue de Tyr, je présume. Fabriquer ces brassards pour la statue de Tyr. Ils avaient confié cette tâche à leurs artisans les plus émérites. Tu as une bonne mémoire, Freya. Comme Tyr, les Jotnar pensaient que la défense était la meilleure des attaques. Donc, c'est ainsi qu'ils ont choisi de l'honorer. Les géants n'avaient pas tort. Je n'avais jamais vu de sculpture de ce genre. J'imagine qu'elle est très ancienne. Rameur. Un hommage aux conquérants. Ils construisaient de beaux bateaux, cela dit. Oh!
Thank you.
Un autre symbole de Fjotur-Lund.
avoir un autre moyen de passer. De l'autre côté, on dirait un escalier. Attention. Attention. Ainsi, elle en a aimé un autre avant moi. Il est de pires choses à découvrir sur celle que l'on aime. Je ne peux te contredire.
Le voilà. L'autre escalier. Pas nous rendre à l'arbre au corbeau. Ces runes nous en apprendront peut-être plus sur l'histoire. Oh, un artefact de l'Empire du Fleuve. Je n'y suis jamais allé, mais on dit que c'est superbe. Regarde, là-bas. Impossible. Et pourtant... Oh, Mimir. Regarde, l'autre moitié de la clé de la chambre forte. Maintenant que la clé est reconstituée, nous devrions retourner au trésor. Nous verrons quelle richesse il renferme. Thank you.
Le roi Helgi a massacré sa famille car il ne pouvait être avec elle. Seul son frère, le prince Dagger, a survécu pour tuer le roi fou. Sigrun et son frère ont eu un désaccord à ce sujet. Oh, malgré tout le temps que nous avons passé ensemble, Sigrun ne m'a jamais parlé de cette histoire. Peut-être qu'elle aimait la manière dont tu la voyais. Ennemi à terre. Forge la paix, pas une guerre dorée. Bien, je crois que c'était le dernier morceau. Je doute que le reste soit intéressant. J'ai toujours admiré l'amour qu'inspirait Tyr. Là d'où je viens, les dieux de la guerre ne sont pas vénérés de la sorte. Tous les dieux de la guerre ne se valent pas, mon frère. Non, en effet.
Ah.